Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Alan Wake 2 avec l'épisode 22, j'espère vous suivez toujours jusqu'ici. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et qu'est-ce qu'on a par ici? Attendez, avant de rentrer là-dedans, est-ce que par hasard ici on n'a pas quelque chose? Voilà. Impossible d'ouvrir depuis ce côté. Sur un malentendu, est-ce que par hasard ici on n'aurait pas quelque chose? Voilà, sur un malentendu, bon bah direction la télé, on est parti les amis pour la dernière partie avec Alan Wake évidemment. Encore une fois, plongez-vous dans l'ambiance et n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je n'ai pas de temps à perdre, alors finissons-en maintenant. Je veux savoir. Tout ça, c'était bidon? C'était faux? Personne n'a jamais dit que c'était réel, Monsieur Wake. C'était pour vous faire plaisir, mais... on peut arrêter de faire semblant. Enfin, les masques tombent. Oh, je n'irai pas jusque-là. Vous ne savez même pas qui est sous votre masque. Mais vous savez bien comment vous compliquer la tâche. Toutes ces règles, ces boucles complexes et infinies que vous ne cessez de vous infliger. Vous avez une chance énorme, vous savez. Il y a tellement de gens qui vous aident. Des armées de bonnes âmes. Moi-même. Votre femme. Alice. Il faut que je la retrouve. Elle est en danger. Elle l'est. À cause de vous. Tout comme quelqu'un d'important pour moi. Quelqu'un que vous avez embarqué là-dedans. Vous passez votre temps à ouvrir des portes. Pour jeter un œil. Puis vous en servir pour obtenir ce que vous voulez. C'est ce qui vous a mis en travers de mon chemin. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Il faut que je m'en aille maintenant. Peut-être que vous y arriverez cette fois. Oh. Tout ça a suffisamment duré. Ça a été, avec Zone X, une bonne distraction. Il est temps que quelqu'un ici me donne une réponse claire. La prochaine fois qu'on se verra, les circonstances seront très différentes. Et vous feriez mieux de jouer votre rôle pour me rendre à l'appareil. Ou de cesser de m'importuner, Monsieur Wake. Ouais, comme vous voudrez. Ok... Porte, Zane. Les masques finissaient par tomber. Est-ce que ça signifiait que l'issue était proche? J'avais pas de temps à perdre. Ok. C'est plutôt dingue ce qui se passe. Ça y est, on approche donc... Je suppose, je suppute du grand final. En tout cas, incroyable. Incroyable. Je commence à comprendre plus de choses. Donc en fait, Alan Wake réécrit la boucle jusqu'à ce que l'histoire aille à son avantage pour sortir de l'entre-noir. Vous l'aurez compris, et c'est pour ça qu'il a amené Saga alors qu'elle n'a rien demandé. Et bref, c'est la folie les gars, ça devient inondé, ça devient littéralement l'enfer et je suis censé fuir du studio, mais je ne vois pas comment, étant donné que c'est bouché. Bref, incroyable, incroyable. Et même Monsieur Porte est stylé hein, en vrai. Hein. Oh, je vais dire, il disparaît pas. Ok.
Impossible de la forcer. Ok, là, ça va être quoi? 6-6-6 aussi? Ok. Putain, il m'avait suivi jusque là, le salaud. Donc, 6-6-5 toujours, peut-être, je ne sais pas. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ça y est les amis, hein, là va falloir rester concentré, hein, on approche de la fin, va falloir rester concentré. Mon interprétation des nombreux mondes. Ok. Par contre Zayn, putain c'est qui Zayn déjà? Je sais déjà même plus de mon côté. Zayn, Zayn, Zayn. Zayn, soyons zen. Tudududu. Ok. Alors attendez. Attendez, j'aimerais comprendre un tout petit truc. Il fallait une autre version de l'histoire. Une où j'aurais de l'avance sur Grincement. Porte vers quoi? Grincement écrit Return, il l'a arrêté. Ah. La télévision. Ça, c'est incroyable, hein, tout ça, là. Ok, et à la radio, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose qui parle de Zayn ou pas? Non. Quel dommage. Oh, waouh. Oh, il y a le concierge. Ok, t'as autre chose à me dire? Ça vous a gardé proche, Tom. En avant, dit la mamie, dans la neige. Quand la panique est la plus grande, l'aide est la plus proche. Porte ne semblait pas ravi de me voir cette fois. La peur du maître est la source de la sagesse. Mais ne vous laissez pas miner par le jeu. Il joue juste son rôle. Vous devriez le mettre dans vos films, Tom, comme vous m'avez mis. Oh merde alors, ce serait génial. Quel film? Je suis fan de tous vos chefs-d'œuvre. Il y a Tom, le poète, mon préféré. Nightless Night, c'est le plus connu de vos films, bien sûr. C'est bien vrai ce qu'on raconte. Qu'il va repasser au cinéma très bientôt. Est-ce que la rumeur a un fond de vrai? Je dois retourner dans mon appartement. Vous pouvez m'aider? Chose bien prévue, à moitié faite. À propos, vous m'avez demandé de vous rappeler de prendre comment on appelle ce truc déjà? Vous savez, les images, les photos prises par votre femme artiste. Elles attendent dans ma boîte à chaussures au sous-sol. Et ce qu'on laisse derrière, on le retrouve devant soi. D'accord. Merci, Adi. Alors, trouver au sous-sol, c'est évident. Mais juste avant... Je voulais juste être sûr. La porte était verrouillée. Ok, direction mon appartement. Je commence à en avoir marre de ce studio. Il y a moyen que ça dure un peu longtemps en plus ici. Hein. C'est terrible. Tant qu'on retourne pas dans le métro c'était vraiment pas cool. Ok. Et là on a quoi? Ça se peut. On retourne à New York. Ah non, c'est mon appart. C'est totalement mon appart. Attends. C'est quoi trouver la boîte à chaussures au sous-sol? Je trouverai les photos d'Alice dans une boîte à chaussures. Ok. «
Elle est là, la boîte, hein. C'est parfait. Une balle de lumière pour éloigner les ténèbres. C'était les photos d'Alice. Je reconnaissais son style. L'une montrait le rupteur sombrant dans les ténèbres. L'autre était une lumière en forme de munition. Elles étaient importantes, même si j'ignorais encore ce que je devais en faire. Ok. Je récupère les lumières, je suis un crevard de lumière, ok. Alan White. White. Ma vie, elle a tourné d'un coup, frère. White. Vous avez vu, ça m'a fait paliser. Ok, c'est sûr que c'est rien de personnel. Fuir le studio. Bon, allez, je sais où c'est la sortie alors, si j'ai bien compris. C'est par ici. J'ai 4 lumières sur moi, c'est énorme. Et là, on est dans mon appart ? Ok. Waouh, le jeu est trop stylé. Et je sais pas quoi vous dire de plus, le jeu est juste trop stylé. Tout ce qui se passe derrière les masques, déjà. Je me noie, y a pas d'issue, je coule encore et encore, c'est l'enfer, maintenant je suis mort. Je veux pas être mort, laissez-moi, je veux juste dormir, pitié, laissez-moi dormir, je suis à bout. Je veux juste rentrer chez moi. J'ai tellement écrit, j'écris. Et il reste plus rien. Tout a disparu. J'ignore comment écrire. Les mots sont partis. Il n'y en a plus. Où sont-ils? Je les ai mangés. Je reconnais plus ces mots. Ils peuvent bouger. J'ai déjà vu ça. Pourquoi j'ai cette sensation? Je suis déjà venu ici. J'ai déjà dit ça. Je l'ai déjà lu quelque part. Qui suis-je? Alan Wake. Wake? C'est bizarre comme nom. Ah, Wake. C'est un nom de personnage. Je l'ai écrit. Je l'ai inventé. Je veux pas être un personnage. Je veux pas être dans l'histoire. Non. Efface-moi de cette histoire. Plonge ces mots au fond de ta gorge. Étouffe-toi avec ces mots. Je les connais. Ils sont secrets. Tu peux pas les prendre. Je mange les mots. Ce sont mes mots. Arrête de les utiliser. Les mots, ils sont secrets. Continue avec Wake parce que c'est trop stylé, ok? Ok. Allez, de retour à l'appart, c'est ça? Pour rejoindre Parliament Tower, je devais trouver une scène de crime. Zane saurait où en trouver une. Cherchez Zane dans l'hôtel. Ok, où est l'hôtel par contre? Putain, j'ai déjà oublié. Où est l'hôtel? Il était par là, non? T'es là-bas. Je tente, hein. Mais où? Même tout ça t'échappe.
Oh là 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 là. Oh non. Laissez-moi tranquille. La chambre de Zane, la 665, était là-haut. L'ascenseur pourrait m'y conduire. Oh, attends, attends, attends. Ah, c'est terrible. Ok. Oh, c'est terrible, j'ai l'impression de pas pouvoir être tranquille, frère. Allez, on est parti, les amis. Let's go. 11 heures de jeu. Hein. C'est beau, hein. Franchement, le jeu... Le jeu est fondant un croc quand même. Quoi? Ok. 665. Ok. Chambre de Zane. What the fuck? Je suis hors map. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bah elle est là la chambre. Ok. Mon instinct me disait que Zane ne serait pas ravi de me voir cette fois. Ah oui, c'était le mec avec qui j'ai... Oh waouh, ok. On va en savoir plus, let's go. C'est moi qui ai le contrôle maintenant. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous mets une balle dans la tête. C'est Grincement qui a écrit Return, pas moi. Espèce de sale menteur. Vous l'aviez abandonné. Vous aviez arrêté d'écrire. Vous disiez que c'était trop dangereux et puis qu'on ne méritait pas de s'en sortir. Et c'est là qu'il est apparu. Grincement, il a promis d'écrire. Il a promis de me faire sortir. Il était incroyable. Un vrai visionnaire. Je veux dire, c'était du grand art. Un site. Il avait fini. Il a pris Return et m'a abandonné là. Le livre est toujours là, et lui aussi. Je sais que j'ai merdé. Mais vous pouvez encore le rattraper, avant qu'il s'échappe, avant qu'il atteigne votre femme. Quand vous le retrouverez, n'hésitez pas. Tuez cet enfoiré pour ce qu'il nous a fait. Il y a une scène de crime dans mon cinéma. Celui qui diffuse mon film Nightless Night en ce moment. Je vous avais dit qu'il fallait rien tenter. Ah. Ok. Bon, on va quitter l'hôtel. Hein. Le film de Zane. Oh non. Je devais trouver le cinéma, le poète cinéma. C'était la prochaine scène de crime. Zane avait fait son film en même temps que Return afin de fuir l'entre-noir. Ok, direction Essinoche. Ça va swinguer. Ok. Bon, bah let's go. Ah, attendez, mais il y avait un truc noir où je m'étais fait agresser. Attendez, attendez. Encore what? Je distinguais les faisceaux des projecteurs du cinéma. Avais-je choisi de traquer la secte? Ou
Ou est-ce que c'était la secte qui m'avait choisi pour quelque raison obscure, afin que je sois le démon qui trierait les indices grâce à mes théories, pour changer mes observations. C'était une mise en scène. Des ombres sur les parois d'une grotte. L'écho d'événements réels survenus à un autre endroit. Étais-je là pour guetter les ombres? Ou étais-je une ombre, moi aussi, acteur d'un spectacle destiné à un tiers? Ok. Allez, on va tranquillement les save ici. Et on va suivre les projecteurs, direction les cinémas. Écoutez, on est bien avec Wake en vrai, non? On est bien, on est bien. Ok. Oh, je me suis chié dessus. Oh, c'est nouveau ça. Putain, j'en ai trop plein la gueule. Que j'ai des réflexes aiguisés. Hein. J'ai plus rien. J'ai plus rien, c'est la merde, j'en peux plus. Oh. J'ai cru qu'il y avait un petit truc caché. Ouais, j'en peux. Je sais pas comment on va survivre, c'est quand même. On a quoi là? Je suis où moi? C'est au cinéma. Oh, mais là il y a un truc là aussi, là je comprends pas. Il y a une scène de Creams, non? Pas impossible du tout. D'entrer. Il manquait quelque chose. Ok. On est reparti. Lâchez-moi. Ok. Le hall du cinéma était un portail vers d'autres réalités sur grand écran. Je pourrais y créer une scène. Et bébé. Allez, j'ai la carte, c'est très très bien.
Oh, waouh. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, cimer! Il était temps. Il était temps, ça commençait à devenir compliqué tout ça, hein. Manque plus qu'une petite pièce pour save, et je suis le roi du pétrole. Mais là, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Waouh, j'espère que vous êtes toujours attentifs. Et ben voilà, elle est là. Comment on échappe à une idée, à une pensée, à un récit qui vit dans nos têtes. On peut pas échapper à ses peurs. On emporte ces monstres partout. Le diable, la tueur, il est en toi. Tu lui reviens toujours, en boucle. Il faut que j'arrête. Que j'arrête de courir. Que j'arrête d'écrire. J'écrirai plus un mot. C'est trop dangereux. Ça ne produit que des horreurs. Les gens, ça leur fait du mal. Je vais laisser les courants de cet océan m'effacer. Mais et si j'oublie pourquoi j'ai arrêté? Et si j'oublie que j'ai arrêté tout court? Putain, c'est foutu. Si ça arrive, je me remettrai à écrire. Est-ce que j'ai déjà cessé d'écrire? Je ne peux pas. Il y a trop d'enjeux. Ok. Oh, quel merdier, les amis. J'espère que le cinéma est moins compliqué à comprendre que l'hôtel. Hein. L'hôtel, c'était quelque chose. Et encore, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti en vrai. J'ai l'impression d'être sur cette affaire depuis une éternité, toujours aux trousses de la secte du Mont. C'était ma seule et unique affaire. Ces types sortaient des ténèbres pour commettre des actes d'une grande violence et s'enfuir dans la nuit, laissant des scènes de crimes sanglantes et des indices au sens obscur qui ne menaient nulle part. En arrivant au cinéma, je sentis le poids d'une terrible révélation s'agiter devant moi, prête à desserrer ses crocs pour pouvoir m'avaler. Cet endroit avait un sens pour la secte. Je pouvais me servir de ça. La secte du Mont. Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, waouh! Ça, c'est incroyable. Exceptionnel. Très bien. Et là... Très bien. Waouh, 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 waouh! Incroyable. Écoutez, bah on va s'arrêter là, je pense. Suite au prochain épisode, vous l'aurez compris. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Bye bye.